Salut à tous, c'est Mister Freeze. Bienvenue dans cette vidéo 0 du coup de Rudra no Yu. Enfin, Ludola no Yu. Pour bien le prononcer. Enfin, j'essaye. Cette vidéo 0, c'est quoi? C'est une vidéo où je commence pas le jeu en fait. Je voulais juste vous parler du contexte dans lequel je refais ce jeu du coup. Et pourquoi je le refais. Et aussi présenter un peu le jeu. Présenter un peu le jeu pour ceux qui le connaissaient pas. Donc en fait ce jeu c'est un jeu que j'avais commencé à enregistrer il y a 8 ou 9 ans sur Dailymotion. Et à l'époque j'avais un matériel de merde. J'avais un micro, c'était une webcam cassée dont seul le micro marchait pour vous dire. J'enregistrais avec les anciens, j'avais même pas de casque, enfin c'était n'importe quoi. Mais bon, c'était mes débuts, hein, ça date. Il y avait pas trop, c'était pas très très courant les vidéos sur de Solus comme ça, de Let's Play sur les jeux à l'époque. Et du coup, voilà, ça avait eu son petit succès quand même. Je les ai remis sur YouTube. Elles ont encore perdu en qualité parce que j'ai dû les re-télécharger puis les re-uploader vu que j'avais perdu les vidéos d'origine. Ouais, j'ai dû leur télécharger depuis Dailymotion et les remettre sur YouTube, donc elles ont encore perdu en qualité. Et aujourd'hui, voilà, ça reste un bon jeu et ça me fait chier parce que mes vidéos, elles sont moches et la qualité est horrible, quoi. Donc je vais quand même les laisser sur... laisser les anciennes sur YouTube. Mais par contre, on va... on va les refaire quand même. Et puis je vais vous montrer un peu le jeu en bonne qualité et je vais refaire tous les commentaires. Donc ça va être un peu compliqué puisque je me rappelle absolument pas de tout ce que j'ai fait. Enfin, je me rappelle vite fait du jeu mais pas de tous les détails. Donc bien sûr je vais devoir re-regarder mes anciennes vidéos ou des trucs pour me remettre dans le bain. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Et comme vous pouvez le constater, la qualité n'a rien à voir. Vous pouvez comparer avec les vidéos de l'époque. Je vous jure que ça n'a rien à voir. Donc le jeu, bon, ça reste un jeu de Super NES, c'est pas le plus beau jeu au monde. C'est quand même un très beau jeu en 2D. Sur la SNES, c'est un très beau jeu. Il est sorti assez tard quand même. Et par exemple, voilà, les personnages sont animés dans les combats. Ce qui n'est pas du tout le cas dans, par exemple, les Final Fantasy ou les Dragon Quest où c'est des images fixes. Il y a des très très belles animations. Le chara design est cool. Et le design des boss par exemple est super joli. Je sais pas quoi, qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Ouais, on s'est amusé hein, à l'époque à faire des noms de sorts un peu marrants comme Hideo Kojima ou des trucs comme ça. Voilà, ou Kamehameha, Naruto, c'était un peu n'importe quoi. Voilà, donc je vais refaire ce jeu intégralement depuis le début, en bonne qualité. Donc c'est un jeu, oui, sur Super NES qui est sorti uniquement au Japon. Enfin, qui est pas sorti en Occident en tout cas. Qui a été retraduit par les fans, renommé le Trésor Secret des Rudras en français. Donc je peux pas vous dire si c'est une traduction exacte ou pas, je parle absolument pas japonais. Enfin, ou très peu. Voilà, et... Bon voilà, c'est pas une vidéo qui sert à grand chose. je dis que ma propre vidéo tout seul, mais c'est pas grave. Mais c'était pour vous montrer déjà la différence de qualité, en quelle qualité sera seront les vidéos par rapport à la qualité des vidéos d'avant. Voilà, moi aussi j'ai grandi, j'ai mûri. Il n'y a pas que mes vidéos qu'on choisit de qualité. Voilà, donc ouais, ça date de 2008 quand même, on est en 2017, donc ça fait 9 ans. Donc j'ai un peu grandi, voilà. Donc je parlerai peut-être pas comme avant. Bon, j'avais quand même une... J'avais pas encore une voix de petit enfant, hein, mais... Enfin, j'avais pas toujours une voix de tout petit enfant à l'époque. Voilà, le jeu, je vous le présenterai au fur et à mesure de toute façon en y jouant. Je voulais juste vous montrer que le jeu allait être en bonne qualité. Donc c'est un petit peu une vidéo de test, on va dire. Et ouais, le jeu du coup c'est un RPG sur Super Nintendo, enfin sur Super Famicom plutôt, parce qu'il est sorti qu'au Japon.
et qui a une excellente histoire aux multiples scénarios en fait. C'est-à-dire qu'on a trois scénarios distincts mais qui se rejoignent. C'est-à-dire que quand on sauvegarde, on peut recharger notre sauvegarde et continuer le scénario d'un des trois persos. Et à la fin du jeu, bah, les trois scénarios vont se rejoindre. Il y aura un quatrième scénario qui sera la fin du jeu. Voilà, et nos trois scénarios se passent en même temps, si vous voulez. C'est-à-dire que le jeu il dure 15 jours, pas des jours réels, hein, des jours dans le jeu. Voilà, en gros, la fin du monde est dans 15 jours. En gros, faut sauver le monde en 15 jours. Et nos persos vont se croiser hein, à plusieurs reprises. Ils ont chacun, on va dire, leur quête à accomplir. Et c'est vraiment sympa comme système. On peut retrouver ça dans Wild Arms par exemple, mais où c'est beaucoup moins poussé puisque c'est que le début du jeu. Là, c'est vraiment tout le jeu qui est fait comme ça. Le système de magie, c'est un système de magie où on crée les magies en fait avec des caractères. Donc voilà, bon, ça ressemble pas à grand chose avec nos caractères, mais je pense que ça doit être des katakana ou des hiragana sur la version japonaise, donc c'est leur système syllabaire quoi. Nous, du coup, bah c'est comme ça, hein, matasa. Enfin, voilà. Et faut créer des magies donc. Pour nous, ça n'a pas trop de logique parce que pour eux, on peut faire des mots voilà, en japonais. Mais pour nous, ça veut un peu rien dire quand on crée des trucs. Parce que je peux faire n'importe quoi, hein, si vous voulez, je fais ça, voilà. C'est n'importe quoi et ça me fait. T'augmentes la vitesse de tous les persos, quoi. C'est un peu du pifomètre en fait, quand. Forcément, sans connaître la langue. Mais sinon, ouais, bah attendez, est-ce que je connais des jeux. Bah voilà. Igu, je crois que ça veut dire feu. En anglais, n'importe quoi, en japonais. Putain, qu'est-ce qu'on connaît comme mot qui pourrait avoir un sens. Disons, je cherche. Chien, inu. Ça fait les dégâts de feu sur tout le monde. Bon, ok, ça a quoi un sens. Non, mais voilà. J'essaie de trouver des trucs, mais... De toute façon, je les connais, les vraies magies qui servent à quelque chose. On en mettra dans le jeu pour quand même que j'arrive à faire des trucs dans le jeu. Et puis ouais, on fera comme à l'époque où vous pourrez proposer vos mots pour voir ce que ça fait dans le jeu. Voilà, bah écoutez, je vais recommencer le jeu à zéro, du coup, hein. Donc, ça va être cool, ça va être long. Mais ça va être cool, et c'est un excellent jeu, je vous le conseille énormément, et je vous conseille aussi de regarder les vidéos. C'est un scénario très complexe, avec ce jeu a une mythologie qui lui est propre, bah, vous avez vu au début dans l'intro, avec des races, bon, à part les sirènes et les géants, ouais, voilà. C'est pas des races qu'on voit dans tous les jeux, c'est vraiment sympa, ouais. Il y a une espèce de mythologie dans le jeu, voir croiser des dieux, des choses comme ça. Il y a des persos qui vont crever, enfin c'est changer de corps, enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais le scénario est assez complexe, les musiques sont excellentes, presque toutes les musiques sont bonnes dans le jeu. Voilà, après, bon, à part le système de magie, c'est assez classique, hein. On a des équipements comme ça, avec des défenses élémentaires, des altérations d'état, des objets, voilà, c'est assez classique, mis à part le système de magie. Voilà, on peut voir voilà qu'on a voilà des stats de base quoi, attaque, défense magique, etc. Vitesse, puis ouais les éléments sur en attaque et en défense quoi. Et aussi des altérations d'état, mais ça sert. C'est pas dans le statut. Voilà, bah écoutez, je vous montrerai ce jeu de toute façon à partir de la première vidéo, pour ceux qui le découvrent, et puis pour les autres, j'espère que vous apprécierez les nouvelles vidéos qui sont enfin en bonne qualité, et puis je vais refaire mes commentaires, plus analyser le jeu, puisque c'était un peu fait à l'arrache à l'époque également. Voilà, je m'embrouille beaucoup, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais je suis content, je savais pas quoi dire de plus, et je voulais vous montrer le jeu, comment il allait changer. Donc j'espère que ça vous plaît, si vous avez des questions ou des critiques à faire, n'hésitez pas.
Je vous dis du coup à la prochaine vidéo pour le début du jeu. Allez, salut!